C'est une fierté pour moi, une grande joie pour moi, parce que ceux qui sont venus, c'est une partie de mes poumons. Quand ils auront besoin de moi, s'ils me font appel, je ne manquerai pas de les prodiguer de ça et conseil. D'abord, c'est un nouveau quartier, mais quand je venais, il n'y avait pas de bureau. Mais j'ai trouvé un petit domaine de 200 mètres carrés appartenant à la communauté. C'est là où j'ai édifié le siège du quartier, comprenant un poste de police, abritant l'état civil. À l'intérieur, il y a le bureau des conseillers, il y a le secrétariat, il y a un magasin de stockage, et il y a le bureau du président du conseil de quartier, une latrine ou un WC. À cela, une salle de délibération et la véranda et un WC pour le public. L'événement d'aujourd'hui réellement me va droit au cœur. Parce que celui qui est venu installer ce bureau est un ami. Elhadj Fafabira Mani. Il a été conseiller communal de Ratoma. Il a été à l'Assemblée. Il a été chef de quartier. C'est ce que je le dis souvent. J'ai dit, tu n'as pas droit à l'erreur. S'il y a l'incohérence, si tu remarques quelques anomalies, tes collègues qui sont chefs de quartier, bien que nous sommes tous partants aujourd'hui, même si on est partant, il dit, il faut nous faire appel. Il faut nous faire appel. Parce qu'il a affaire à une couche juvénile. La jeunesse. C'était l'enthousiasme ici aujourd'hui au siège du quartier. Les femmes sont sorties, les jeunes sont sortis, les sages sont sortis. Presque toutes les sensibilités étaient là. Moi, depuis hier, j'ai commencé à sensibiliser les grandes familles. Pas de mouvement. C'est Soundou qui s'en va et c'est Soundou qui revient. Pas de mouvement. J'ai vu en la population qu'en siégeant autour de ce dossier que je serais supporté. J'ai parlé de trois infrastructures ici. Il y a une infrastructure destinée pour la construction d'un poste de santé. Il y a une infrastructure destinée pour la construction d'une école. Il y a une infrastructure destinée pour le terrain de sport ou l'aire de prière à des jours religieux. Donc j'ai dit et j'ai réitéré que cette équipe-là doit veiller. Pour pas que les gens bravent ces infrastructures-là. Donc, notre seul espoir pour ce quartier, c'est ça. Le lot 55, maintenant, est dans d'autres quartiers. Le lot 55, qu'on parle, on dit Yembea Marché. Cela ne relève pas de nous, du quartier Yembea. Mais ça titre notre nom. Mais cela ne veut pas dire que le quartier ne doit pas y veiller, parce que c'est nos femmes, nos enfants, nos frères qui y marchandent là-bas. Il faut lier la chefferie à la vie. Tu es venu dans les mains, tu retourneras dans les mains. Moi, je suis très croyant. Et vous avez vu ce que le maire a dit. La sénateur a dit, au temps venu, ou quand ils auront besoin de moi, la mairie, qu'ils vont me faire appel. L'homme, c'est les acquis. Monsieur, je m'attendais qu'un jour, j'allais quitter. Mais moi, je dis que je suis bien parti. Si c'était avec des gourdins, ou en tout cas, des cailloux, est-ce que ce beau monde serait allé nous accompagner aujourd'hui? Ou que ça n'allait pas? Est-ce que ce beau monde allait nous accompagner? Mais ici, avant, les gens ne comprenaient pas. Mais il a fallu sortir, sensibiliser les gens. La violence n'arrange rien. Donnons-nous, lèvons-nous contre un seul pour une vie heureuse. Parce que moi, quand il y a problème, j'invite rapidement les imams Ratib. S'il n'est pas là, ses adjoints, à se joindre au quartier, au secteur, pour que la paix revienne rapidement au quartier. Et heureusement, d'ailleurs, on a une police de proximité ici.